Bonjour, donc mon nom c'est Jean-Marc Deden, je suis basé à Los Angeles depuis 7 ans, où en fait j'aide les expatriés, les étudiants étrangers et les chefs d'entreprise à s'installer aux États-Unis à Los Angeles. Donc venant en Martinique pour le forum, c'était une excellente initiative pour rencontrer à la fois des jeunes professionnels ainsi que des entreprises qui ont des projets effectivement à dimension internationale, en tout cas qui ont des souhaits en termes de développement international. Donc c'était pour moi une excellente opportunité de, quelque part, de contribuer à l'évolution de la Martinique en termes de mutation. Et lors de mon passage, lors de ce forum, j'ai notamment insisté sur la communication, les éléments donc, qui sont nécessaires pour motiver l'action, que ce soit pour un forum, que ce soit par rapport à un projet d'entreprise. La plupart des gens, quand ils communiquent, ils parlent d'abord de ce qu'ils proposent, un produit ou un service, éventuellement comment ce produit ou service a été créé. Et après analyser effectivement plusieurs leaders comme Steve Jobs, Martin Luther King, on s'est rendu compte que ces gens communiquent d'une manière complètement inversée. Donc pour eux, ils démarrent toujours par expliquer le pourquoi, la vision qu'ils ont quand ils ont créé ce produit ou ce service ou ce mouvement, éventuellement le comment, et ils suggèrent à la fin le produit ou le service. Et l'exemple à montrer comme Martin Luther King, quand il a parlé à Washington, il n'y avait pas de site internet pour expliquer la date, pour expliquer effectivement le lieu. Ce qu'il a indiqué durant toute la période qui a avant la marche, c'est il a expliqué je crois, je crois, je crois, je crois, ce en quoi il croyait. Et globalement, les gens qui raisonnaient, pour qui cette croyance, ces valeurs résonnaient, se sont attribués la cause, se sont accaparés la cause et sont partis effectivement dans l'ensemble du pays pour évangéliser. Et puis au final, plus de 250 000 personnes se sont réunies au même moment pour écouter Martin Luther King. Donc c'est important pour vous, chefs d'entreprise, de manière, si vous souhaitez réellement motiver vos partenaires, motiver vos salariés, motiver vos actionnaires, vos investisseurs. Donc c'est toujours important de démarrer par la vision que vous avez par rapport à votre entreprise ou vos projets. D'expliquer comment vous allez mettre en place cette vision et éventuellement quel est ce projet que vous nourrissez. Être invité à ce déjeuner de bas par Contact Entreprise est pour moi une excellente initiative pour rencontrer ces entrepreneurs qui sont parfois méconnus de la population et comme dans certains cas j'ai accès à ces jeunes chercheurs d'emploi ou autres professionnels. Donc c'est pour moi aussi un moyen de partager l'information avec eux.